Bonjour mes amis, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, ça va. Alors mes amis, je suis de retour pour vous faire ces pronostics de quinté de vendredi 21 avril 2022. Je vais préparer ces deux tickets comme d'habitude. Il y en a 7 chevaux et il y en a 6 chevaux. Le 5 cheval en cas de non-partant. Mais avant ça, on va faire l'arrivée de pronostic de ce jeudi. Comme je vous l'ai dit, en fait, je n'étais pas très sûre de moi parce que je n'ai pas très fait l'effort. Comme je le dis dans la vidéo, je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont compris. Voilà, on n'avait pas, il ne manque qu'au numéro 8 dans mes deux collections. Que le 8 qui ne manque, mais en fait, avant-hier, on avait bien un bon résultat d'un quinté à 7 chevaux avec mon cheval en cas non partant qu'il a payé 1500 et quelques, plus le quarté, plus le tiercé, plus je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'ont touché. Moi, je suis très contente quand mes abonnés ils touchent la gagne, ça me fait plaisir, et voilà. Mais pas tous les jours qu'on va, il n'y a personne qui donne le quinté tous les jours. Voilà, hier, aujourd'hui, il ne manque que le 8 dans mon collection, mais le 8, tout le monde est londonien, c'est sûr. Il y aura qui vient le ramener avec mes 5 premières, il y aura les couplets, les quintés et tout. Déjà, on avait 3 fois 2 sur 4, il n'a pas beaucoup payé les pommes de terre ou quoi. On avait le couplet placé, le 2, le 2 et le 8, 2 sur 4, 4 fois. Mais voilà. Comme je dis, je suis sûre que je n'ai pas fait très d'efforts. Sur les abonnés privés, on avait le quinté à 6 chevaux. Quinté, tiercé, quarté, à 6 chevaux. Voilà. Et c'est le 8, c'est vraiment. Je vais pas. En fait, je n'ai pas envie de les ramener ou quoi. Ça m'est tellement énervé que tu vois les jeunes et prendre la gagne. Ils ne sont même pas capables de faire le like, ça me fait chier. Eh bien, voilà. J'ai envie de les casser le ticket hier. La vérité. Je le dis, il y en a beaucoup qui le font, mais ils ne le disent pas. Mais moi, celui-là qui n'est pas content, ce n'est pas grave. La quête des abonnés est pas. Alors moi, j'ai dit la vérité toujours. Voilà, lui, tu n'as pas envie de le ramener hier dans mon ticket. Parce que ça me fait chier quand les jeunes ils gagnent et ils ne like pas. Et quand ils ne gagnent pas, ils t'envoient chier, tu parles mal. Alors, c'est pour ça. Pour être gentil, il faut vraiment être gentil aussi. Si les jeunes ne sont pas gentils avec moi, moi, je mélange tout quand je m'énerve. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas amené le 8 dans mon collection, mes amis. Et comme je dis, celui-là qui ça ne le plaît pas, ce n'est pas grave. Et vous êtes bien touchés avant-hier, je n'ai pas vu beaucoup de résultats. Et même, il y en a pas mal qui sont touchés des quintés, des quartiers, des tiercés, même dans l'ordre. Et je n'ai pas de retour, même avec un merci dans le message. Voilà, mes amis, alors, je veux le dire. Cet ticket, je le sens bien et j'ai fait des efforts. Et je le dis moi quand j'ai fait des efforts, quand je suis sûr de moi. Cet ticket, 95%, je vais faire un très 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 bon ticket ici. Voilà mes amis. En tout cas, je vais recommencer avec mon collection à 7 chevaux et la collection à 6 chevaux. Et en fait, quand j'ai fait le ticket, le pronostic hier, je le dis que j'ai pas très très fait d'efforts. Voilà. Et quand je suis sûre de moi, en général, les jeunes qui me suivent pas tout le temps, ils comprennent. Ils connaissent quand je suis sûre de moi. En tout cas, demain, je suis sûre de ma base. Allez, mes amis, on commence à faire ce ticket de pronostic de cette quinté. Demain, ça court à 25. C'est 20h20, 20h15, comme d'habitude, c'est le tourne. Il y a 14 partants, vous attendez pour jouer jusqu'à après-midi, parce que peut-être il y aura de nombreux partants demain, parce qu'il y a pas mal de chevaux qui sont là demain, et je ne sais même pas pourquoi ils sont là, qui sont malades. Il y en a au moins 3 chevaux que je suis sûr, c'est des chevaux qui sont malades, qui ne seront jamais là. Voilà mes amis. En tout cas, allez, je vais commencer à vous donner 7 meilleurs tickets de la semaine, de la fin de semaine. Le premier pour moi, c'est le 11. Deuxième, le 9. Troisième, le 8. Quatrième, le 2. Cinquième, le 14. Sixième, le 13. Septième, le 7, mes amis. Je répète mon ticket. Le 11, le 9, le 8, le 2, le 14, le 13 et
Le 7, deuxième ticket, mes amis. Le 8, le 9, le 11, le 14, le 2 et le 10. Deuxième ticket. Le 8, le 9, le 11, le 14, le 2 et le 10. Mon cheval regret, en cas de non-partant, il faut toujours celui-là qui fait les chambres réduire et essayer de la JT derrière. C'est le numéro 3. En plus, demain, j'ai ouais, pas mauvais le 3. Alors, mes amis, celui-là qui va faire la base de chambre réduire, même s'il va faire les 3 de base annexe et JT 4 chevaux derrière, ça le coûte à 25% 6 euros. En match prêt, ça le coûte 2 euros. Mais quand il touche avec des bases, ça paye bien. Alors, le 11, le 9, le 8. Le 11, le 9, le 8. Le 11, le 9, le 14. Normalement, c'est ma base. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit faut faire les chambres réduire. Monsieur, vraiment, désolé, je ne peux pas faire les chambres réduire. Et je préfère faire direct celui-là qui va faire ses bases. Lui, il fait même les chambres réduire. Tout le monde est sûr de faire. Il peut prendre la base qu'il veut. Il fait son base. Et je ne peux pas donner ma base sur YouTube. Et je donne le ticket bien et je donne la meilleure base. Et comme ça, vous choisissez vous-même, vous faites avec votre ordre comme vous voulez. Si je vous fais l'ordre que je voulais moi, si ce n'est pas dans l'ordre, ou si ce n'est pas dans le désordre, ou si c'est derrière, je casse le ticket à tout le monde. Alors, ça ne sert à rien, c'est pour ça que je ne le fais pas. Et bien, mais je vais faire deux tickets. Après, c'est le meilleur, toujours, j'essaie de le ramener toujours le meilleur dans la base d'ailleurs. Quand on gagne, c'est toujours dans la base qu'on a le meilleur. Voilà mes amis, c'est toujours le gagnant placé, il est toujours dans les 3 premiers. Voilà mes amis, je vais vous montrer mon ticket. Alors il est là, le 11, le 9, le 8, le 2, le 14, le 13 et le 7. Le 8, le 9, deuxième ticket, le 11, le 14, le 2 et le 10. Moi quand même, celui-là qui va faire la base, j'essaie de l'amener même le 13 dans la base. Le 13, je le vois bien dans la base aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est mon outsider. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va les jouer, à part ces quelques-uns qui l'attendent, qui achètent les vidéos, qui prennent mes outsiders. J'espère que. Voilà, c'est le 13, il sera là. Et si les autres, ils sont donnés, qui viennent acheter les vidéos après moi, c'est qu'ils sont prêts chez moi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le donnera dans la base. Voilà, mes amis, je vous souhaite un excellent gagne et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, en espérant demain votre chaîne. Bonne quinti. En tout cas, j'ai fait moyen pour ce ticket et je vous le dis à bientôt pour ces pronostics de demain. Ciao mes amis!